Bonjour à tous. Bon, ben voilà, je vais vous présenter. Alors, excusez-moi, j'ai une petite trace de masque. Ça fait pas très joli, mais c'est pas dramatique. Là, je vais vous présenter donc un traitement dans l'absolu pour vous montrer un petit peu à quoi correspond aujourd'hui les produits qu'on va être amené à utiliser. Donc là, on est sur un chantier donc juste à côté de Senlis. Donc sur ce chantier-là aujourd'hui, on va couper juste les talkie-walkie comme ça au moins. Ça fera pas de bruit, excusez-moi. Parce que comme on communique avec ça, ça sera plus facile. Alors aujourd'hui, quand on fait un traitement de la toiture, il y a plusieurs procédés qui sont proposés. Moi, j'aime pas les procédés agressifs, enfin, vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises déjà, les process avec la javel, le chlore, le karcher, c'est des procédés aujourd'hui qui existent, la soude, parce qu'il y a la soude caustique aussi sur la partie toiture, c'est des procédés aujourd'hui sur lesquels moi je suis plus vraiment en raccord, et le dernier c'est le karcher. Donc aujourd'hui on a des techniques qui permettent d'avoir des produits qui vont être des algicides, fongicides, bactéricides, qui vont avoir plusieurs actions, et là je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça correspondait. Donc là en fait, le matériel de base c'est assez simple, c'est encore une fois donc une pompe. Donc on travaille d'ailleurs avec un partenaire sur la partie entretien qui s'appelle Char Location. Je le dis toujours, sur Toulouse c'est le gros du gros qui fait du bon boulot. Placement de produits, certains me disent non, c'est simplement comme c'est des partenaires, j'aime bien en parler parce que c'est des gens qui sont toujours dans l'ombre mais qu'on voit jamais. Donc là sur l'application du produit, voilà comment ça marche. On a tout bêtement donc un pistolet, une lance avec une rallonge et on va appliquer donc des produits. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On le voit de suite, le produit il va avoir une action sur la tuile quasiment instantanée, d'accord? Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, là on a fait un petit bout, bon, on a fait une partie de la toiture, on peut voir, hein, la partie de la toiture, elle est beaucoup plus marquée, elle est beaucoup plus noirâtre. Donc là, l'application du produit, on s'est amusé, on s'est dit, tiens, on va rincer, juste pour voir ce que ça fait. Voilà, donc là, c'est pas compliqué. Avant, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, on ne rince pas volontairement, puisqu'en fait, c'est l'action de la pluie qui fait le ménage. Après, d'accord? Donc, pour tous les gens, entre guillemets, qui ont un traitement à la tuile à faire, encore une fois, sachez qu'il existe des produits qui sont des produits biodégradables, non agressifs, qui vont, entre guillemets, complètement nettoyer vos toitures sans avoir à appliquer vraiment karcher, soude, javel, tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui par rapport à ça. Donc si vous avez besoin de conseils par rapport à ce sujet, vous n'hésitez pas, dans un premier temps, effectivement, vous n'hésitez pas à partager, comme je l'explique toujours, à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 61 63 28 17, ça n'a pas changé. Ou alors Messenger, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Messenger. Le but de l'opération, encore une fois, c'est pas forcément de vous montrer ou de vous avoir un client, mais c'est surtout de vous montrer aujourd'hui comment fonctionne un traitement à la toiture et quel effet ça a avec les bons produits, encore une fois. Il y a des produits qui sont des produits non professionnels, qui ne sont pas de la même gamme. Très clairement, avec un produit non professionnel, on n'arrive pas à ce type de résultat, c'est clair, net et précis. Le grammage de produits est beaucoup moins soutenu, donc vous aurez aujourd'hui des traitements qui seront de moins bonne qualité. Voilà aujourd'hui à quoi ça correspond. Merci encore une fois pour tous vos partages et votre soutien. Et merci de partager, liker un maximum. Et on continue le chantier. À très bientôt. Merci pour tout.